Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode 2 de notre aventure sur Pokémon Noir en full random. J'espère que vous allez bien. Alors le premier épisode, eh bien, vous a apparemment bien plu. Et donc, ça me fait plaisir hein, de refaire du Pokémon. Et alors là, en full random, ça me fait plaisir que vous kiffez aussi. Donc c'est génial. Donc la dernière fois, on avait récupéré donc notre premier Pokémon, à savoir un Octiri, le poulpe. Ah là, les poulpes. Et on a aussi récupéré un Galopa qui était dans les hautes herbes. Bon, on a fait aussi un... Je sais plus comment il s'appelle. C'était des Météros, je crois. Hein, je sais plus. Il me semble. Bon, on n'a pas pu le capturer. Hein, en même temps, je l'ai tué avant. Et puis, de toute façon, bon, si j'avais essayé de le capturer... Bon, à la Pokéball, pas évident. Voilà. Donc du coup, faut aller voir Ketelaria, on va la retrouver. Et voilà, on va aller la retrouver. Ah, je dois repasser par ici. Ah non, c'est bon, pas de Pokémon. Là, y a rien. C'est vrai qu'on peut pas courir encore, pour l'instant. Juste pour voir, hein, quand même. Non, ok, bon. Ah, il est là. Cheren. Ah. Nariyama, c'est stylé. Hein. Nariyama, c'est stylé. La souplesse, ok. Ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Attendez, juste deux secondes, parce que je reçois des trucs à chaque fois, c'est chiant. Voilà. On va essayer de le capturer, écoutez. Nariyama, c'est stylé. Bon, je pense qu'on va quand même changer au bout d'un certain moment, hein, quand même. En fait, j'ai envie de tester l'évolution... Non, un Pokémon qui va évoluer, cool, on a un Nariyama. Donc d'avoir un Pokémon qui va évoluer et puis voir en quoi il va évoluer. Ça peut être très drôle. Nariyama, donc toujours de type combat, heureusement les types on les a pas changés. Donner un surnom à un Pokémon, non. Si, merde. Ah, j'ai oublié, mais je devais donner des surnoms au Pokémon, c'est vrai. Bah tant pis. Tant pis, il aura pas de surnom lui. Il s'appellera Nariyama. T'avais quoi comme attaque? T'as la... Nariyama lame d'air! Nariyama balle brume! Ok. Bon. Coucou. Alors, Filito, on compare qui a le plus de Pokémon? Vas-y. Quoi? 3 Pokémon? C'est trop génial! J'ai le cœur qui bat à toute vitesse. Toi aussi, hein? Tant que j'y pense, en consultant le Pokédex, c'est possible de vérifier le nombre de Pokémon vus capturés jusqu'à présent. Sur ce, cap sur Arabelle. Le Vokit. Le Vokit, c'est quoi le Vokit? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Hello, vous allez bien? Vous devriez vous être familiarisé avec vos Pokémon maintenant, non? Oui, professeur, je vous attends au centre Pokémon d'Arabelle. J'aimerais J'aimerais vous le faire visiter. Alors, dépêchez-vous de venir. Compris. Ok, on arrive. Bon, j'ai oublié de te renommer Nariyama, c'est chiant par contre. C'est vrai que je devais les renommer et... Mais j'y ai pas pensé. Bon, c'est juste là en fait. Yo. Parcourir les routes, ok. Mais avant de toute chose, laisse-moi te présenter les endroits. Oh, juste une visite du centre Pokémon, bon. On connaît, hein, on connaît. Tout, oui, bon, je dis pas parce que bon, on sait ce que c'est quand même. Bon, je suis pas. C'est la 5G, hein, j'ai déjà joué à 4 générations avant. Ah, oui, c'est vrai que je pourrais les. Faut les soigner, mes Pokémon, c'est vrai. Bon. J'ai trop confiance en eux en fait. Pour moi, ils ont pas besoin d'être soignés, mais bon. Si vous voulez. Voilà.
Six Pokémon dans l'équipe, oui, ça je sais aussi. Professeur, hein, sur l'écran, PC2. Ça veut dire que c'est le PC de qui? Je suis surprise, je ne pensais pas que tu remarquerais. C'est une question intelligente. Pour le moment, je vous demanderai d'utiliser le PC en faisant comme si de rien n'était. Le est le nom de la personne qui a inventé le système de gestion de stockage en ligne. Un jour viendra où vous le rencontrerez. Bref, passons à la suite. Ok. Voici maintenant la boutique Pokémon. Pas acheter des objets, ben oui. C'est un peu le but d'une boutique. Je suis sûr qu'elle pourra vous aider, sur bonne chance. Ok, salut. Que vais-je acheter? Potion des balls. Ah ouais, alors déjà, nous, quoi va-t-on acheter? Des Pokéballs, je pense. Voilà. Deux potions, on peut en acheter un. Allez, quatre. Non, non, non. Tu vendais quoi, toi, mon bon monsieur? Bon, des trucs qui servent à rien, quoi. Bon. Bah, on se barre, du coup. Je sais pas où faut aller. Printemps? Pourquoi printemps? Eh, on est en hiver, on est 4 janvier. Je suis en hiver, moi. Il se passe quelque chose sur place. Si on allait voir. Ah oui, je me rappelle. J'avoue, là, cette partie-là est stylée. Surtout la musique, j'aime bien. En fait. Filito, viens, un peu par ici. Je kiffe la musique. Écoutez-moi bien, mon nom est Gettys. Gettys de la Team Pasma. Je suis venu vous apporter la bonne parole, celle de la libération des Pokémon. Nous autres humains avons toujours vécu aux côtés des Pokémon. Nos noms de partenariat mutuel et tacite d'une entraide naturelle et indispensable. Du moins, c'est ce que je pense au plus grand nombre. Mais je vous le dis, les gens sont dans l'erreur, le déni, le mensonge. Songez-y. L'homme préfère se vautrer paresseusement dans les certitudes. Les avez-vous jamais remises en question, ces certitudes? Puis que tous sont les dresseurs, ils asservissent leurs Pokémon, les accablent d'ordre. Ces pauvres créatures, soi-disant leurs partenaires, sont leurs serfs, taillades et corvéables à souhait. Si je ne dis pas la stricte vérité, que quelqu'un ose me contredire. Or donc, je vous le dis. Les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonné. Nous avons tant à apprendre d'eux. Et donc, notre devoir en tant qu'être humain est clair, n'est-ce pas? Parfaitement, nous avons le devoir, que dis-je, l'impératif de libérer les Pokémon. À ces seules conditions, Pokémon et humains pourront, pour la première fois, vivre sur un pied d'égalité. Écoutez-moi bien, et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à la douce vie qui leur est naturellement échue. Bon, t'arrêtes de parler en fait, t'es chiant. Ainsi se termine ma déclaration, merci encore de votre attention. Et que la paix soit avec vous. Allez. Mince alors, je ne sais plus quoi faire maintenant. Libération des Pokémon, grand n'importe quoi. Ah! Je t'ai vu! Toi. Ton Pokémon, il m'a parlé. Ah bon? Dis-moi, tu es bien direct. Et l'un de mes Pokémon parlerait? Qu'est-ce que c'est que ce Baliverne? Il a parlé, oui. Les Pokémon parlent. Mais vous ne pouvez pas les entendre, comme je vous plains. Je m'appelle N. Moi, c'est Challenge, et voici Filito. Il nous a été confié la très importante mission de compléter le Pokédex. Et nous voici sur les routes. Même si mon objectif ultime est de devenir maître. Mais bon. Pokédex. Et pour ce faire, vous allez séquestrer d'innombrables Pokémon dans des Pokéballs.
Je suis dresseur, tout comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Pensez-vous que les Pokémon soient heureux ainsi ? Oui, Philito, c'est cela. Laisse-moi te faire entendre ce que pense ton équipe Pokémon. LOL, un combat, ok. Un Lockpin. Est-ce qu'il y avait un Lockpin de base ou ça a changé? Je sais pas. Normalement ça devrait changer, mais bon. Feu follet. Il a tranché herbe. Il a tranché herbe. Bah écoute, tu vas mourir de brûlure. Laisse-moi écouter à nouveau. Ouais. Il a juste quand même tranché herbe. Normalement, ça fait pas grand chose. Hein. Bon, en plus, il est brûlé. Hop. Voilà. Ha! Je suis trop fort. Plaie-croix. Bim. Comment, certains Pokémon parleraient... j'ai pas eu le temps. Alors, tant que les Pokémon sont enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon, et pour eux, je dois changer le monde. Quel drôle de bonhomme, mais bon, ce n'est pas grave, les dresseurs et les Pokémon s'aident mutuellement. Sur ce, je pars devant. J'ai hâte de découdre avec le champion d'Ogoès. Toi aussi affronte les champions. Pour devenir un dresseur respecté, tu dois vaincre les champions de chaque ville. Pour cela, la clé de la réussite. Ok. Mais moi déjà, j'aimerais sauvegarder. Sauvegarder, n'importe quoi. Me soigner. Touk, 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 touk. Je ne sais pas où je dois aller après. J'aimerais bien... Notre mère ne nous donne pas des... baskets. Normalement, oui. Faut qu'on visite un petit peu la ville, mais... On fera ça plus tard. Attendez, bon, attends, j'accélère un peu parce que... Ouais, ne pas pouvoir courir, c'est très chiant. Ou alors c'est plus tard qu'elle nous les donne, je sais pas. Ah, parce que là... Yo. Toutoudou. Bon. Pas le choix, va falloir faire sans... Bah écoutez. Ah bah peut-être nous les donner après. Oh un Pikachu! Oh un Pikachu! Alors là, je suis désolé, mais il faut que je le capture. Il n'aura pas le corne hein, quand même. Je suis un signalé. Allez. Je devrais rentrer là. Parce que. Alors j'ai un ami et il faut que. Il faut que je capture un Pikachu. Il adore Pikachu. Oh, je suis pas affecté. Bon allez. Rentre dedans. Faut que je capture le Pikachu. Il y a un petit surnom à donner. Pikachu capturé. Alors toi, un petit surnom que je donne à un ami qui est fan de Pikachu, donc bah je vais lui donner aussi à ce Pikachu du coup. Il a donné un surnom. Oui. Allez. Fro. Fro. Frony, voilà. En plus, je lui disais, bon,
Il a quoi ce Pikachu? Je lui disais, si je trouve un Pikachu dans Pokémon Noir, je le renomme en Frony. Mais j'en ai trouvé un. Oh! Il en empalcorne! Et je suis glace! Wow, va falloir l'entraîner lui! Empalcorne et je suis glace! Ah, mais je te garde, Pikachu! Empalcorne, chute glace! Au calme! Allez, on avance. Alors, faut visiter un petit peu Arabelle hein, quand même. Tu dis un truc important ou pas? Non, mais. Ok. C'est une île pourrie. Je veux courir! S'il vous plaît, laissez-moi courir! Je veux... Non. C'est très handicapant de pas pouvoir courir en fait. Yo. Ok, tu fais de la musique. Mais on s'en fout un peu. Bon, je pense pas que j'ai tout visité, hein. Bon... On doit pas avoir des masses de choses ici à récupérer. Ah, je pense pas. On va parler à tout le monde, c'est chiant de parler à tout le monde. Elle nous donne rien. Oui, voilà, il y a des dresseurs sur la route 2. Ça m'avance pas à grand chose, ça. Un super sac, machin, machin, oui. Ok. Des trucs pas très utiles au final. Yo! Non, ok, oui. Un Pokémon faible, devient fort, oui. Toi, bon, t'es un enfant, t'as rien à me donner, je parie. Toi, c'est une Pokéball que j'ai trouvée il y a longtemps, mais je devrais peut-être te donner. Ok. Merci. Merci pour la Pokéball. On joue à. Feu plante haut. Bah, ok. Plante, il est faible face au feu, donc j'ai perdu. Ok, c'est pour vous apprendre les types. Attendez, il y a des choses là-bas. Non, mais bah, je suis bloqué par un mur. Et laissez-moi passer. Il y a des choses, il y avait un truc en bas. On est quand même visité. Ah oui, il est 17h, du coup la lumière. Voilà, on va passer à la nuit, bientôt. Qu'y a-t-il ici? Non, ok. Bon, ils disent rien d'intéressant en fait. Ok, non, je pense pas qu'ils disent des trucs d'important. Bon, si j'ai loupé des trucs, au pire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, mais je pense pas qu'ils me disent des choses vraiment importantes. On accélère un petit peu parce que là, j'ai bon, j'ai envie de courir, hein, mais je peux pas courir. Beau temps, route 2, beau temps. Ok. Yo. Mais vraiment, j'ai pas de... Ah. Mon bébé, c'est bon, comment vas-tu? Tu t'en bien avec ton équipe? Ouais. Juste quelques nouvelles. Ah bah elle est là. Je vais te faire une surprise, petite blague, professeur, tu devais te rapprocher. Surprise. Oui! Tu peux aller partout en un clin d'œil. Attends, je vais te donner le mode d'emploi. Nanana, t'appuies sur B. Oui, merci. C'est bien, casse-toi maintenant.
Oui, t'inquiète pas, je vais bien, je vais profiter de mon voyage, surtout profiter de... Oui, je peux courir. Yo! Alors attendez, parce que je vais quand même faire un petit truc. On va mettre le poulpe niveau 10 et on va entraîner les autres. On va quand même faire un peu. Hop. Frony, je le garde. Hein. C'est obligé, je suis obligé de garder Frony. Un Zébiberon. Pas fan de Zébiberon. Allez, cheval contre cheval. Allez, fais-lui onde folie. Laser glace, ok, si tu veux. On accélère. Hein. C'est des combats un peu. Bon, voilà quoi. Allez, repiquer! Ça fait que dalle. Ok. Étonnement, peut-être. D'où est la rapace? Le poulpe. Je compte sur toi, le poulpe. On se calme avec Rapace. Les mecs, ils sont complètement craqués. On a perdu machin truc. Il est mort. Attendez, je vais aller se soigner quand même. Bon, je fais une petite ellipse, le temps d'aller le soigner parce qu'on va perdre du temps sinon. Allez. Ah bah voilà, un dresseur. Quand on regarde un dresseur croise, oui bon ça je sais. Un Nioko. C'est type quoi ça? Psy je crois. Commencer par onde folie. Double dard, ça fait quoi double dard? Ça va. Alors, faire au piqué. Bim. Je sais pas si Techno Buster ça avait plus mal en fait. On va essayer. Bon bah il est peut-être mort en fait, ouais voilà. Yeah. Yeah. Yeah! Eh ben! Ah, j'ai cru! J'ai cru le yeah, encore une fois! Ça y est, rattrape son retard! Copain! C'était nul! Mais je sais. Allez! Moi j'adore les combats Pokémon. Bah écoute moi aussi. On n'a pas comme un chère demoiselle. Lancez pas artisan Mali. Ok. Un Scarino. Scarino aéropic, ça devrait se faire mal. Normalement.
Ça one shot carrément. Bim, yeah. Tu vas prendre stalactite. Ça fait quoi? Technobuster, ça fait quoi en fait? Projette selon le module que tient le lanceur. À la place d'étonnement, je pense. Ouais, allez. Ça peut être sympa une attaque glace. C'est complètement what the fuck, hein, mais. Et pourquoi pas? Il y a des Pokémon ici? Que fout un poisson sirène dans les hautes herbes? Non, on se barre. Ah, je peux pas me barrer. Oui, non, mais. Bah, il est repiqué, hein. Bim. On se calme. Allez, ça quitte. Bim. On va mettre un petit peu Ariyama. On va le changer, le switcher, du coup. Enfin, après, il tank bien, mais bon, il est niveau 3. C'est pas tendu. Allez, le poulpe. Dans tous Technobuster ou ça se passe comment? On continue, ça me fait rien du tout. J'ai un feu follet. On se calme. Mon cher bidule. Arkiakpi. Ah, Apti. On se chaud dire. Plécroix. Plécroix, ça fait mal. Ok, si tu veux. Et non. Niveau 10. Ah, bombe. Ah ouais, bah attends, mais ouais, carrément. Bomberk. À la place de protection. Ariyama niveau 4. Partage force. Ça fait quoi? Additionne l'attaque spéciale et l'attaque du lanceur et de sa cible et les redistribue entre les deux. Non. Niveau 5. Niveau 6. Oh, du coup, on peut le garder devant. Allez, on a encore 7 minutes. On peut encore... Voilà, c'est un... On peut pas, faut coupe. J'ai pas trouvé de Pokémon ici. Enfin, c'est aussi un Poissirène, quoi, mais c'est tout. Et un autre Poissirène. Ok. Bah, tape-le, hein. Lame d'air. Oh, le porc. Il peut pas attaquer. Mais non.
Bim, voilà. Oh, zut. Là, il doit y avoir une Pokéball. Une potion, c'est nickel. Bon, on est bientôt arrivé à la Hogwest, je crois. La ville. Je crois qu'on a. Ah ouais, mais il y a une arène. Il faudra qu'on s'entraîne un petit peu. Hein. Là, veillette. C'est pas très original, hein. Lame d'herbe. Larveillette hurletant. Larveillette hurletant. Larveillette hurletant. Je peux te faire un truc. Je vais essayer de le capturer. Je veux un larveillette hurletant. Ça évolue en plus, je crois. Ça va être rigolo en quoi ça a évolué en plus. Ah, je veux un larveillet sur le temps. Hein. Larveillette hurletant. Comment je vais l'appeler? Comment je peux l'appeler? Comment je vais l'appeler? J'ai des noms bizarres, hein, mais c'est le seul truc qui me vient à l'esprit. Alors je vais l'appeler. God larve. C'est pourri. Honnêtement, c'est vraiment pourri. Hein. Mais moi et des noms, vous savez, ça fait deux. God larve. Pire, c'est que ça, quand il va évoluer, il va continuer à garder son nom. Ça va être bien pourri en plus. God larve. Eh oh, Filito! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on n'a pas regardé ce qu'il y avait encore comme attaque. On va regarder ça après. Dis, faisons un combat de Pokémon. Si tu veux. Allez. Un mélo. Dans 3 minutes, tu auras plus de cam. Bon, c'est pas grave. Ah, en plus, je suis paralysé, quoi. Allez, prends l'âme d'air. Lame d'air. Ok. Ok, ça va être un petit peu long. J'accélère un peu là parce que. Ça va être chiant. Tu peux le faire, Ariyama! Tu peux le faire! Ah, ça fait beaucoup plus mal, ça. Voilà. Oh, c'était long. Non, être ligoté et être paralysé en même temps. Ah, mais carrément. Ça fait quoi, ça? Moi, cette capacité possède du PP, plus elle est puissante. Ouais, non, j'oublie. Bah écoutez, on va envoyer notre Frony.
Notre larve est... Notre god larve, allez. C'est un jeu quoi, il a... Mais... Ah oui, j'avais pas vu mes tangs. Il y a Airlock, ok. C'est coup de boule. Hurle-temps. Alors, en vrai, ça doit être pourri parce que hurle-temps... Ouais, en plus, l'autre il fait morsure. Mais bon, c'est pas un hurle-temps quand même. Quoi. Ah, ça fait que dalle en fait. On va envoyer au galop. Alors, oui, ça va couper bientôt la vidéo, c'est pas grave. Je mettrai une photo de je sais pas quoi, de mon chat, je ne sais pas. On verra. Là, je te fais onde folie. Bon bah voilà, ça a coupé, c'est pas grave. C'est pas grave, plus de cam. J'étais limité à 37 minutes avec mon téléphone. Oui, il faut vraiment que je fasse de la place sur mon téléphone. Il faut que je fasse un peu plus de place. J'ai trop de trucs. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous pouvez admirer la magnifique photo que je mets. Allez, potion. Pouf là. Bim. Allez au galop, tu peux le faire. Stack, tite. Ah, dommage. N'empêche, c'est n'importe quoi le combat, hein. Faut l'avouer. Aéropique. Voilà. Niveau 10. God larve niveau 7. God larve niveau 8. Il apprend après vous. God larve après vous. Punaise, de chez punaise, tu rigoles pas, Felito. Bah non. Hein. Alors, résumé de Godlarve. Maladresse. Le Pokémon ne peut utiliser aucun objet tenu. Ok. Le premier à agir, le lanceur, permet à ça d'utiliser une capacité juste après lui. Ok. Bon. Ogoès. Bah écoutez. On va se soigner et s'arrêter là du coup. Je pense que c'est pas mal. On avance doucement. C'est vrai que bon. Quoi, 40 minutes, on n'a pas trop le temps de faire grand chose. Hein. Surtout que c'est assez long, hein, les débuts dans Pokémon. Mais bon. Au moins on avance doucement, on est déjà à la troisième ville. Il y a une arène. Il y a une arène, ouais. Ouais. Une arène, donc on fera ça la prochaine fois. Du coup, l'arène. C'est quoi ça? École de dresseur. Ouais, il y a plein de choses à faire. Bah écoutez, on fera ça la prochaine fois, du coup. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à commenter. Et puis donc on se retrouve pour l'épisode 3. Où on fera l'arène. Je vais quand même monter un petit peu le niveau de mes Pokémon. Pour la prochaine fois. Et enfin, pas de beaucoup, hein. Mais bon, Frony, je vais le mettre à 10, 11. Bon, à peu près, je vais les mettre dans ces eaux-là. Peut-être E2 ou E3, peut-être vers les niveaux 13, 14. Et E2,
Pareil, vu que j'ai enfin les Pokémon en face à l'arène, je crois qu'ils sont déjà niveau 12 ou 14, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, n'hésitez pas à me le dire, mais il me semble qu'ils sont niveau 14, donc on va quand même un petit peu les monter. Allez, 12, niveau 12, ça sera bien. Voilà, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Allez, bye tout le monde!